Un but partout, et ça le score, et ça la qui lobby entre Zambie et République démocratique du Congo, na CAN 2023, et ça le conseil Makuna la Côte d'Ivoire, et Sengeli Koyeba était Léopard, c'est défendu qui Maramara Mukasi. Toko zela bongo ba match mso ekoya na mikolo mi zali koya na basango bureau d'âge ensemble national et o ekofonga ba bongo le 29 janvier prochain yango ezali composé na Christophe Mboso Kodia o azali bongo doyen d'âge âgé Matembo Toto Moïse Azali Bongo na 26 ans pe Ndeko Serge Bati Azali Bongo na 27 ans et Singli Koye Baete Bureau Odage Oana Ezali composé na Assemblée nationale Oeuti Kokota et Kofonga Bongo le 29 janvier Ndenge Toulubaki Ango le président Félix Tshisekedi a prêté serment le 20 janvier prochain Nyonso Ezali Kosalema Misala pe Bongo la Bongo Wapi na Stade de Martyr Wapi Bisika Tata Mokabieko la Kozwa Lisusu Bangagement pour na 5 prochaines années Melikambetali législative nationale au Ezala qui publie na CENI est-ce que Mimi Mutumbutu na ngambo ya Union Sacrée pe na ngambo ya opposition bazali kokoba ko revendiquer nani azala ki nommé nani azala ki voter solo kasi Sengeli Koyeba ke cour constitutionnel et fongama ki pona koyamba bongo ba contentieux wa pibisika moto na moto Sengeli kende ko déposer aye kasi moi Mbilinga mbilinga na ngambo ya Union Sacrée bisika UDPS azwa ki vraiment force politique ya liboso ya yambona plus de 60 députés kolanda ka UNC pe AFDC pe MLC bongo ona bongo nous allons parler de cette situation ezali bongo na ngambo ya AFDC bisika mbutu mbutu ezwa maki mwambingi alors que tozana bilenge pe na kati ya plateau na biso moko na lelo toko zongela bongo combat il y a Laurent Désiré Kabila P combat il y a combat il y a Laurent Désiré Kabila P combat il y a Emery Patrice Lumumba bisika donta ki kobelango largement des jours eleki ce qu'il faut kokanisa Congo na mikolo mibu ezali koya kokanisa développement ya Congo nini penza kopuiser na héritage oyo bilombe mibale o batikela biso nous en parlons na bande ko bazana biso sur ces plateaux tozana ndeko Hervé qui sema azali bongo ndeko ya lisanga politique AFDCA bongo ezali kokamba mana docteur le professeur Modeste Bahati Lukwebo azali bongo président ya Sénat ndeko Hervé qui sema pouvait déjà nous rejoindre sur ces plateaux mwana mboka mbote pe bwebola mbote mingi mama Naomi mbote na bakongole banso bazwa mina tonga lo kolanda biso merci na invitation na natongo na lelo banda to kotimbule asika mbali boso na a on a profité na pe sa meilleur vœu pe bonne année na yo pe bonne année na mokonzi ya mboka on a zo réitéré sous ba félicitations na ngai pa na ye pour na réélection na yo salama ki kitoko makasi avec 73% et ko mettre fin na crise ya légitimité tout prétexte ya légitimité ba tinos to bundela kauta la nuit des temps au jour d'aujourd'hui fait ce qui est approuvé à la face du monde mais aussi na communauté nationale qu'il est valablement élu et il représente valablement le peuple congolais. Tikana boka ba flair. Il y a victoire wana na bato nyonso ba konkira qui peut être mukonza boka za victoire wana notamment peuple congolais mais aussi mukonzi nanga ya parti les professeurs Modeste Bahati Lukwebo o wa pesa ki musala makasi na etenu et pesa mela ki na ngambo ya Union Sacrée espace est kuna wapi mukonza boka za ki 78% de voix en tout cas to tombelier longonia mais na annonce na yo lobi makamozo le kana AFDC tika nga te na pesa mise au point moke na maimazao le ka na kati AFDC AFDC za kimia eloko zo ko lekeza lite eza un groupe de candidats oyo baza lesé oyo seni a proclama ki bangote nde bazo utiliser ba canaux non officiels c'est à dire ba réseaux sociaux ba télévision pour na koloba ete le professeur Modeste Bahati Lukwebo a
Achaki batunaye anoma ki batu. À tort ou à raison, puisque nous savons tous bandeko tozo lobela awa na ebite baza ebele, mais particulièrement ndeko Chris Mukindi qui s'est bâti otozaki na na campagne électorale 2018 d'ailleurs na zala kanaye 2023 il s'est battu sur terrain ndeko Medaka Kolongo oyo selon ba liste zala ki pe en tête des listes na etali Lukunga, mais il se retrouve non élu en faveur il y a Neve, il y a autorité morale comme réalité épaisamélibus. Maman Naomi Tikana Sembola Malamu Koleka, AFDC, Alliance des Forces Démocratiques du Congo, ça dit étant des démocrates, tout ça a respect à l'institution établie dans la loi Yambo Kanabiso. Le professeur Modeste Bati du Congo ne se substitue pas à la CENI. Ce n'est pas lui qui organise les élections. Et ça, CENI ne organise pas les élections. Et CENI a tali. Oh, il y a qui na lingomba ya FDC na liste na biso a proclamé mon amboka Emmanuel Bahati Baseme. Péché za poza neve, paraît-il, il y a autorité morale, je ne sais pas. Mais kolobete mon konzi na biso ya parti nde a nommé, ça c'est jeter discrédit dans l'institution ya CENI parce que mon konzi na biso a pouvoir ya nommé te. C'est quoi ce pouvoir là au Modeste Bahati du coup bakozwa et si ko mon konzi amboka le chef de l'État ba cousin ba cousine ba bimi ba député directeur de cabinet ya bimi député directeur ya campagne na ya bimi député so mon pouvoir wana Modeste Bahati du coup bakozwa ngwa pia ko tia batu na au-delà de tout madame au-delà de tout AFDC a aligné plus de 480 candidats à l'élection législative nationale. Ce qui, moi, n'a pas Modeste Bahati du coup, parce qu'il n'a pouvoir à nommer ma députée, on aurait y avoir plus de 50 sièges. Il faudrait que tu rappelles que AFDC a perdu 6 sièges comparablement au score que nous avions fait en 2018. Ce qui pouvoir y a nommer ma députée, ça a l'air qui a salaire, tout match, ça nombre, ou l'équipe qui ça nombre. Et donc, c'est un débat de très bas état. Je crois que la CENI a donné la possibilité à tout Congolais, à tout candidat qui se sent lésé à saisir l'instance. Résultat, la CENI a provisoire. Pambate l'eau et pesa ba cadre 8 jours après, pour saisir cour pour être ça à la juge à contentieux électoral à Katamakambu. Mais il faudrait rappeler une chose, madame. Le candidat ne peut pas à lui-même ou à lui seul saisir la cour. Parce qu'il a été aligné sur une liste et a parti et non comme indépendant. Non, les partis ont mis en place une commission où ils ont traité la question relative à la contention électorale. Ce que nous appelons à nos amis, à nos camarades que nous aimons tellement beaucoup, Chris Mukendi, Medaka Kolongo, ce sont des grands frères, des aînés avec qui nous avons beaucoup d'estime et de considération, beaucoup d'amour d'ailleurs. Nous les appelons au bon sens. C'est-à-dire les partis ont mis une commission, venez dans la commission du parti, les partis vont être... C'est parce que les partis n'ont aucun de la cour. Candidat aucun de la cour, venez dans la commission du parti et bah, ça, les gens. Et lorsque ça passe, ma casse, c'est ça. Ne te commis qu'on tombe si qu'on a bien injure, n'a bien silte, qu'on traite l'autorité morale de tous les mots. Autres aussi s'inscrire dans mon affaire. Comment il va chute de la part ya bandeko bazali ou autres loba mingi bazali batoué mayele batoué lokou. Mais tous au monde dans les réseaux sociaux, n'importe où tant bon dans les plateaux à télévision, ben si traiter l'autorité morale de tribaliste, de népotiste, de clientéliste, moi je me dis tout comme il a niveau en andengenini. Parce que parmi les candidats, il y a un candidat qui est aujourd'hui membre du conseil d'administration à la NAPI. Lorsqu'il a été désigné à la NAPI par le professeur Modeste Bahati du Congo, ce dernier n'était pas tribal. Est-ce que Nabuka vous, mon amboka Modeste Bahati du Congo, Zanga Kibat, ton famille n'a pas battuté pour envoyer à la NAPI. Mais il a donné la chance à ce jeune homme parce que le professeur Modeste Bahati du Congo demeure jusqu'à aujourd'hui un homme responsable. Na FDC ba privilège à la méritocratie et compétence et à moto. Sinon, ma tribal. Parce que nous sommes un parti parmi les rares partis politiques aujourd'hui où ils ont implanté dans 145 territoires. C'est-à-dire tout le monde partout, bah, on y a un bimi, bah, député, bah, ça, tu as famille, y a autorité morale. Et pas, n'a rien à Congo central, tu bimi, si, bah, député, vous allez dire que, bah, ça, peine la famille, n'a Congo central. Et donc, pour dire ceci, Bandeko na biso baza les nous les rappelons au bon sens. Bazo ngana ndako commission ezali. Et puis ba trois ans kamba commission ça ba camarade ba ya parti bazi ba toli bandate ba ya ba traiter makamo. Mais dire tout ce qu'ils sont en train de dire c'est l'autorité morale. Moi je pense que ezo ça la bienté makasi. Merci beaucoup Mwalamboka Tuza. Bon on a de Marcel Kadima zali de quoi piste pour l'émergence parti politique ezali bongo na ndeko 7 qui connaît moi un beau cambo, tu peux pas y voir.
Bote, madame. Tomoni o très responsable, nini etinda ki oza na opposition, pe particulièrement au soutenir de Cosette Kikoui. Merci beaucoup pour l'éloge, lobby que on est responsable parce qu'on est responsable. Parti na biso piste pour l'émergence, et ça parti aussi à bas responsable. Na banda kolanda yo ozolo ba makambo ya, excusez-moi mon lingala est un peu bizarre. Voilà, au banda kolo ba makambo ya musée a outé ko kufa kutika biso et puis Lumumba, c'est dans ce sens-là que nous avions décidé avec le président Seth Kekuni, nous avions dressé une table autour de laquelle to tiaki idéologie nabiso, to tiaki projet des sociétés nabiso, responsable pour porter l'étendard du pays. Donc, ce que moi, il y a responsabilité, boye, et ça va fouiller à partir nabiso, parce que nous, on ne recrute pas les badauds, on recrute les gens qui réfléchissent. Selon plusieurs jeunes du pays, selon dans l'opinion, ça s'est dit que Seth Kekuni a trahi, Seth Kekuni a déçu. Par rapport à Bandeko Mosusu, à Zalaki Kulinamami, Nina Bilenge Amboka, a s'est retrouvé derrière Moïse Katumbi et Lelo a s'est retrouvé presque nulle part. Est-ce que vous aurez regretté le fait d'avoir accompagné Moïse Katumbi après une élection de 2023? On a posé Malobao et la Simon Lobby à trahir Bajen et puis à trahir Komanaï. À trahir Komanaï était Kozala Simaya, président. Il y a ensemble Moïse Katumbi et Zako Trahir Jeunesse. Nous étions devant un cas de figure où la tricherie était déjà bien préparée. Comme les amis de l'Union Sacrée, vous voyez que Kanabango est commis déjà dans des ordres, va rejoindre déjà Maloba, Obiso Toloba qui ne sait pas ce qu'il faudrait annuler ces élections parce que l'élection est à qui n'a voté. Ndeko Kadima a procédé à la nomination des députés nationaux. Il y a Ngozomona. Bande la biseau Union Sacrée commis trouble au Kenya MLC trouble au Kenya AFDC à trouble au Kenya la partie Nyoso trouble na trouble parce que ils se sont dit eux-mêmes aussi que il n'y a pas eu élection, donc c'est à dire que on a procédé à des nominations. Maintenant biso toyeba qui déjà makambouane et okikozala, alors on avait réfléchi intelligemment, c'est comme ça que toyeba dit non il faut totia candidat commun, bien que bande la biseau monsieur opposition bah c'est l'ANSA qui n'a géo en athée. Ils ont accepté d'aller cavalier seul. Mais Bissot estima que, avec LGD, avec Bissot Piste, avec Ensemble, avec d'autres partis politiques comme MLP, ceux qui t'opponent, Moutou Moko, Bissot Toutosa Simanaye, avec un projet de société qui sera bien accueilli, n'est-ce pas, dans les chefs de la population, Yango estima que c'était nécessaire, bien que tout cela qui Yango, population a voté qui Bissot massivement, a voté qui. Numéro 3, Nabiso massivement, jusqu'à 23h, Toyebaï qui est bisouné tout bagagné, ma punami. Mais, Kadima, avec Semagui, à mon avis, c'est ce qui est important pour nous effacer. L'idée on a qui est qui gagne qui va élection, à pousser qui va élection jusqu'à 7 jours. Tous ceux qui n'ont pas PV, madame. Tous ceux qui n'ont pas PV. Pourtant, on essaie qui bino boke na la cour constitutionnelle, boki mi bolobite, cour anéza tribal, alors que cour anande kote ce qui Moïse Katumbi. Merci beaucoup, parce que Pesinga Maloba, déjà, na koyebi sa ok, les amis au pouvoir, bah, préparer déjà tricherie au yo bien avant. Déjà, cour constitutionnelle, ou tu koloba wana. Bah, mettre en place de manière il y a et parce que bah juge au bah remplacer qui bango bah longoli bango bah tiens oh ya bango obédience na bango, c'était en violation de l'article 158 de la Constitution. Ils ont même violé l'article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Déjà tricherie banda kiwana, tricherie moussou c'est quoi ça les mawa, puis tricherie moussou c'est quoi ça les ma na seni. Qui fait partie du bureau de la CENI, ou soit comme opposant Oyo, dignement mandaté par son parti politique, qui fait partie comme membre de la plénière de la CENI. Azate, Manara, et ainsi de suite, ce sont des débauchés. Et ça, tout Oyo, Landa qui m'osolo, débauché, je ne sais pas si c'est pas un bosso, Atié Bangokuna, Bazata na mandat à PPRDT, Bazata na mandat à parti politique na Bangote. Donc, tricherie et bandage na cour constitutionnelle, et qu'on se poursuivre na CENI, et yesi koko salemana, bas scrutin, c'est-à-dire le déroulement des élections. Vous avez connu avec nous ensemble les images qui, n'est-ce pas, qui ont jonché toutes les sphères, n'est-ce pas, de nos réseaux sociaux. Il y a bah tricherie, bah bulletin de vote exacté, bah comme bah tout le monde, bah comme on a bangoué mon anité. Et puis, nakotou nata bah oyo bazo
landabiso ta ba oya senior ta bandeko nanga bazana plateau awa. Est-ce que Bakopé Sabiso avec exactitude le nombre des bureaux de vote qui ont servi à ces élections? Bakozala incapable à Kolobango. Est-ce que Bakopé Sabiso avec exactitude le nombre des bureaux de vote qui ont ouvert Oyo et servi à une élection? Bakolobango. Est-ce que Bakopé ça? Est-ce que Bakopé ça avec exactitude les machines Oyo ou taki pensa na seni et kéti na ba bureau de vote nyos Oyo et cela qui ba recensement soit ba enrôlement ya ba électeur. Bakopé ça yango te, c'est-à-dire que la tricherie ezaki à grande échelle, c'est comme ça que Maponami Oyo ezaki prévu pour on a 11h du temps et kéti une semaine madame. La même tricherie. Ça s'est jamais fait. La même tricherie une des vingtaine de députés ensemble pour la République. Mais déjà meilleur élu. Imagine madame, imaginez-vous que Moutouloko la Matata Pogne avec son parti LGD balobi ki ye akokisi seite. Batu bango moko bango moko batu ya union sacrée. Bituma bazo pebisa bapine. Est-ce que biso moutou tumba bapine wana? Kende kotuna na MLC bazo pou bazo tumba bapine. Kenzo kende kotuna ba parti politique union so wana ta AFDC. Aso monere aho se défendre. Aho défendre problème au bazana. C'est-à-dire que bango ba vandaki mutuna muta bandiko pona oyaye mutu mutuna batya bandiko pona oyaye mutu, c'est-à-dire que les élections oyobino bozo bengango élection biso to bengango élection te nous considérons ça comme une pâle copie d'élection. C'est un simulacre d'élection. Donc, ils ont le quoi, un petit faux semblant, moi, qui créé qui. Si c'est le cas, tous les acteurs de l'opposition, dans le Parlement, tu es pour les élections. Bon, déjà, biso piste, dès le départ, tous les acteurs pour. Parce que tu as dit que ma ponami est et puis ils ont la ngote. Ou ils ont la nomination. C'est comme ça que tu as aligné qui va député nationauté. Mais si ma bande de moussous, il y a un état-major politique qui va les amis, il ne faut pas que Totika, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as l'opposition, a boya qui ma ponami. Alors tu vas te réfléchir, non, ça va, comme ça, tu as dit candidat moko, tu as la candidat commun. Parce que tu as dit que déjà na na idée ya kokene maponami bango basi batindaki bango ba candidat pour que ba kende ko postuler yango komona LGD zaki na ba candidat ensemble zaki na ba candidat biso piste zaki na ba candidat parce que biso na lamuka to zalaki ko partager idée moko ya ko boya penza maponami parce que to yebaki ke tricherie oyo ezalaki déjà boutiqué bien avant. Parce que tout le monde a qui déjà conditionné les acquis déjà. Et le moko ya bango moko, ya Tshisekedi ye moko. Seni, les acquis yango moko monocolore, ya Tshisekedi ye moko. Alors, tu estimes qu'il est nécessaire, ya ko boya ma ponomi. Mais sima, tu yaki ko se rebuffé, tu bi bon, ça va, to kende, avec un seul candidat. Et puis, Dieu faisant grâce, to bataki à plate couture, Félix Tshisekedi, jusqu'à 21h. Oh, zo mona ba kende ko komena, komema. L'élection en longueur pendant une semaine, et ça qui pour nous boutiquer la tricherie, madame. Parce que la population à Kindu, baebi, matata ponyo salanini, matata ponyo oyo, azo représenté pour nabango. Donc, moutouloko la net matata ponyo na Kindu, jamais bako linga kolongo la kombo nae. Mais ba o moussou soana, ba ozo la ba ozo, ba ozo, ba bio de dame, ba longo, li, ba tie, ba oche bandeko nae bango, ba cousin na bango, ba makango na bango, et ainsi de suite. Très bien, merci beaucoup, madame Boka. Ndeko, Hervé, qui sema Tozongelayo, la question sur l'élection 2023, législative 2023, est-ce que les lots Union Sacrée, ils ont la majorité, en gros, il faut le dire comme ça, plus de 430 députés, qui n'ont pas ngamba tata mokambi ekolo, mais les kambo ba siège, ça pose problème. Tomoni MHC ko brilé bapiné, tomoni bandeko mosusu maman Adèle, l'autre dame ADDC ba brilé bapiné, moi ba parti politique et belé ba sepelité que il de pèse tout ba parti mosusu ba su ba siège ko leka bango tomoni nakati ya AFDC ba mosusu ba za mécontent. Est-ce que vous pensez que situation est fragilisée
famille politique et chef de l'État. Madame, je rappelle que nous sommes dans la démocratie. Et la démocratie, c'est un cadre dans l'union sur les tiers pour la contestation, pour la revendication. C'est de leurs droits les plus légitimes. Va contester ce qui va estimer que le score va salaire correspondre à un résultat au Seigneur PCT. Même la loi les protège. Ils ont protégé 8 jours pour saisir les cours constitutionnels en contentieux électoral pour pouvoir rétablir le droit de la bino. On va estimer que le siège mouqué par rapport au il fallait, c'est de leurs droits et puis ce tout est la bango exacté. Mais moi je pense qu'on tombe dans le vandalisme, qu'on brûle le pinet et qu'on résout des problèmes au côté. Tant de démocrates, il faut qu'on saisir l'instance où ils ont établi la loi. Si on a un zone à mouqué dans ma cambounde, qu'on a lobby, qu'on a une piste pour l'émergence, il y a Kouloutou Nabiso, c'est ce qui l'opposition n'a jamais été prête pour les élections. L'opposition se prépara pour la contestation et puis la plupart des candidats, président de la République, notamment Yabango Setsikikuni, il n'a pas été candidat pour aller aux élections à Outio Lobawa. Il savait qu'il n'y aura pas d'élection. Bon, il y a eu une élection pour Zalaté, il y a eu un candidat qui a député pour te faire l'élection pour Zalaté. Mais pour que Bimisa 100 000 dollars pour poser la candidat président de la République sous prétexte que l'élection vous a été. Alors, moi, on a un raison Sabino parce que ça non remboursable. Vous allez me dire que non, c'est ce que vous avez boire qu'à 100 000 dollars en CENI pour une chose qui existait. Aussi pour une CENI, où il y a un CENI violent qui est la loi. Et ça, c'est les composants qui ont en violation de la loi. Quelle contradiction, même une chef, une abisso, mon moto, modèle Tozo Kanisa. Quelque chose où ils sont illégal. Ok, on tire à 5 000 dollars pour espérer une élection qui ne va pas se tenir. Ça, ce n'est pas être logique. Donc, tu comprends, on te dit que Betty Winner, 21 Winner, il est raté. Betty Winner, il est raté. Il y a 100 000 abisso qui ont été liés. Ou bien, s'il y aura pas élection, il y a un cadre de concertation. Et dans ce cadre de concertation, on va plus appeler le candidat président de la République parce que on va plus s'y appeler. Il y a un bon. Donc, comme une impossibilité d'organiser l'élection, qu'est-ce que vous en pensez? Il se passait déjà à la transition. Pour être à côté de la Bibonga, moi, je suis fait ce qui est né à l'Obayango. Nous le disions. Que tu sais que c'est un démocrate, à outil, n'a fait une politique où il militait plus de 37 ans dans l'île et l'état de droit et la démocratie. Il va respecter la constitution et il y aura élection. Nous nous sommes préparés aux élections depuis 2018. Madame, les élections. Je vais préparer qui tricherie, je vais préparer qui macambobele, les élections se préparent. Il y a quatre facteurs majeurs qui entrent en jeu pour la conquête d'une élection pour gagner en haut. D'abord, c'est la préparation. Il faut se préparer. Il faut s'organiser. Il faut faire planification et mal on a la campagne. Mais les voisins qui organisent, et puis communication et ma casse la campagne. Campagne à l'américaine. Nazoya, madame. Nous avions plus de 100 000 candidats dans l'élection haute. Élection législative nationale, provinciale et puis conseiller municipaux, plus de 100 000. Est-ce qu'il y a quoi, il y a 5 millions d'opposition à combien de candidats? Opposition n'a même pas aligné les 10% de ces 100 000 candidats. Même pas les 10%. Et Félix Tshisekedi avait au moins 92 000 candidats. Au bas, le roi va coller. C'est les campagnes n'a pas fait un fois là où Tshisekedi ne pouvait pas arriver. Ces candidats arrivaient. La préparation, nous sommes préparés pour ça. Je parle de l'organisation, madame. Les élections en Mboka Nabiso, ils ont un facteur clé. Et ça a toujours sociologique, il faut batoubaye bakayango. Et dans l'organisation des élections, nous avons le rôle à Congo, 450 tribus, ils ont la capacité à continuer, la RDC. On ne peut pas aller aux élections seules et prétendre gagner les élections, c'est une utopie, madame. Élection, il faut oser la organiser, organiser l'équipe. Faites ce qu'elle s'est fait très très bien entouré, comme pas possible. Je vous donne les cas. Na kati ya Félix Tshisekedi na kati ya Union Sacrée, tout ça na moto a gagné élection na Mboko, Jean-Pierre Bemba. Pas Jean-Pierre Bemba bâti Kabila aux élections. 7 millions de voix en 2006. Jean-Pierre Bemba, c'est un vainqueur des élections qui bat campagne pour Félix Tshisekedi. Nous avons un Vital Kamerhe qui a été 3e élection de 2011. Près de 2 millions de voix, je pense, qui bat campagne pour Félix Tshisekedi. Nous avons lui-même Félix Tshisekedi, président en exercice, 7 millions de voix en 2018. Il a gagné les élections dans ces pays. Vous avez le professeur Modeste Batu Likobo. Les partis implantés dans les 145 territoires, il y a RDC. Et vous pensez que Moutou Yabongo a s'entouré dans le Kaïma, grand Yabongo,
perdre les élections. Étant donné que les élections sont sociologiques, je viens de le dire, Félix Tshisekedi est entouré de leaders, il y a un espace espace grand Équateur, un grand Bandunaga, un grand Kivu, un grand Katanga. Et cette organisation-là a permis, il y a quoi, soit leadership et puis préparation. Il a fait 53 meetings, 26 provinces. Qui est ce candidat opposé qui a fait même 20 provinces? Même quand il y a 20 provinces. Et lorsque Félix Tshisekedi était na Katanga, Vital Kamerhe était au Bandundu, Bahati Mikobo était à Bukavu, Jean-Pierre Bemba était à Lissala, Mboso Kodi était au Grand Bandundu, Félix Tshisekedi était à Katanga. Tant Félix Tshisekedi était à Bukavu, Bemba était à Kinshasa, Mboso était à Kikwiti, Vital Kamerhe était à Namaagi, et c'était comme ça, on a encerclé l'opposition, au Bazaï qui n'a moyen de payer Maté. Mais tant que le modèle bandé est comme ça, bah ok, campagne, bah on met la Baji, bah CRS n'a pas de avion, bah j'ai été privé. Ce que Moïse Katumba Kena Kindu, bon, on se maquille à Kindu. Ce que Moïse Katumba Kena Bukavu, on se maquille à Bukavu. Au relais, mon temps, ça, la relais, un message, il y a Moïse Katumba Zate. Au-delà de ça, la communication politique. Madame, c'est un élément crucial pour un acteur politique. Acteur politique, ce que vous avez communiqué, ça sera difficile pour toi de convaincre mes lecteurs. Déjà, Moïse Katumba, il a un problème sérieux de communication. Deuxièmement, pour présenter son propre programme à lui, son programme de gouvernance, il s'est fait représenter par Christian Mwando-Sima, incapable lui-même de représenter le programme de gouvernance. Incapable d'expliquer à la population c'est quoi l'alternative. Parce qu'il ne suffit pas de dire que Tshisekedi a échoué la gratuité, gratuité simbité. Il faut proposer une offre meilleure que ce que Tshisekedi a proposé. Est-ce que Moïse Katumba arrive à qui peut proposer offre meilleure que Tshisekedi? Déjà, il y avait un grand problème, un sérieux problème de communication. Tout ça est joué en défaveur Naye et Félix Tshisekedi a gagné. J'avais dit ici avant les élections, nous ne pouvons jamais, alors au grand jamais, comparer Félix Tshisekedi à Moïse Katumba. Parce que Moïse Katumbi est un leader régional. Là, il faut que tu aies Bariamo. Moïse Katumbi, c'est un leader régional. Il est leader au Grand Katanga. Mais Félix Tshisekedi, c'est un leader national. Et il s'est fait entourer de leaders nationaux, à l'instar de Jean-Pierre Bemba, de Bahati Mikobo, de Vital Kamerhe. Mais tout autour de Moïse Katumbi, c'est quoi ces leaders-là où ils ont été entourés? Déjà, d'ailleurs, je vous rappelle que cette Tshikouni, c'est un leader communal. Il n'est même pas un leader régional, un leader communal. Moi, on me donne la moitié des moyens qu'a cette Tshikouni. Il ne va pas même arriver dans chez lui en termes de popularité politique. Il faut qu'on le dise. Et Ozu Matata Polo, c'est un leader régional, c'est un leader Koumaniema. Ozu Kulutu Nabiso, c'est ça. À part, il est quelqu'un d'intelligent, on le reconnaît, c'est quelqu'un de très doué, mais il n'est pas un leader politique. Déjà, pour se faire élire député, il devrait battre campagne pour Félix Tshisekedi en 2018. Pendant que son parti soutenait Martin Fayulu, mais attendez que ceux qui n'ont qu'à soutenir Martin Fayulu, je ne serai jamais député, parce que personne ne pourra me voter dans ces coins-là. À qu'à battre campagne pour Félix Tshisekedi. Et Carmé rattrapé. Et cette fois-ci, il n'a pas été député, parce que lui-même a un ancrage populaire. Et bah, toi, bon, on est bah, entouré Moïse Katumbi. Pensez-vous que Moïse Katumbi allait battre quelqu'un contre Félix Tshisekedi? Déjà, il ne faisait pas les poids, je l'avais dit. Question sur l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, j'avais déjà dit que l'Union Sacrée, elle a toujours Union Sacrée autour du chef de l'État. Ce qui s'est passé à la CENI, j'ai dit que la loi est pési cadre. Bah, tu vois qu'il n'est qu'au revendiqué. Bah, qu'il y a une cour constitutionnelle. Les erreurs matérielles, oh, salami, tant en moussous. Na CENI, la cour constitutionnelle va faire quoi? À collaver, à moi, au rétabli, bah, tu n'as pas droit à la banque. Mais les gens doivent savoir une chose, que Félix Tshisekedi est venu mettre fin. Dans le système, il y a auto, il y a maka, tant en moussous, il y a maka, il y a maka. Parce que j'attends les gens dire. Dans ce moment, on va Twitter. Jean-Pierre Bemba a mouillé, moi, pour la fête, Tshisekedi, mais il va passer 18 députés. Tshisekedi n'a pas le droit de donner les députés aux gens. Les gens doivent savoir cela. Battre campagne pour les chefs d'État ne fait pas de vous députés. Nous donnons le cas ici, il y a Koutanso Chris Mouki, il a bâti campagne pour les chefs d'État dans des plateaux de télévision, sur le terrain, mais il n'est pas député. C'est-à-dire qu'Obima député va au-delà de battre campagne pour le chef de l'État. Le président Jean-Pierre Bemba Gomba a bâti un grand travail pour le chef de l'État. Mais est-ce que le député n'est pas dit, offre un dit, qui est la population? La population aujourd'hui est tellement mature. Quand on a ciel, les cas, il y a un papa social, un maman social, la population a besoin d'un discours. C'est quoi votre projet? Aux hommes, on a parlé. Quatre cycles électoraux, madame, la population a couru. Est-ce que ça ne fragilise en rien parce que nous respectons les dispositions légales.
Tshisekedi n'a pas nommé les députés, moins encore, parce qu'ils n'ont pas ces pouvoirs-là. Étant des démocrates, c'est la CENI qui est la seule institution habilitée à faire ce genre de choses. Bah, saisir coup consonné, à côté, là-bas, au bas, on a droit, on a bango, bah, cause on a rétabli. Quelqu'un a posé la question, quelque part, sur les réseaux sociaux, comment se fait-il que Bande Konyon, sous Bazan, là-bas, combo, il y a Baï, il y a CENI, bah, se retrouver dans le bazar, bazar, bazui, mandat. Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que ça coïncidence? Topé, l'or, monsieur, et ça, il m'a caché. Madame, c'est ici qu'il faudrait te pousser ce raisonnement très loin. La loi actuelle n'interdit pas à nos membres à CENI, à famille, à postuler. De même, elle veut interdire à nos députés en fonction, à ministre en fonction, à postuler. Alors, il faudrait te réfléchir maintenant. Parce que tu as l'élection, tu as toujours attention à l'irrégularité et tu as mandaté. Ça, c'est comme si tu as mandaté. Il faut te demander à mener des vrais efforts pour pousser que l'élection sera toujours sincère et résistante et reflétée exactitude, sincérité, expression populaire. Parce que, au moins, ce qui va insérer dans la loi, c'est un conflit d'intérêts. Et que les membres de la plénière, les membres du bureau à CENI, les familles pour se la rater, ça va aussi aider davantage. Mais également, madame, tout le monde va invalider le candidat Belawat, parmi lesquels va être promoteur de l'école. Comment expliquer que le promoteur de l'école, l'école n'est pas un centre, lui-même le promoteur est candidat. Le président est centre, il a préfet école. Les membres des bureaux sont les enseignants de l'école. Mais vous entendez quoi de cette école-là? Sauvez vos attachérités. Parce que créer déjà un conflit d'intérêts. Il faudrait prochainement, député ou l'église, dans l'électorat de Zoya, insérer en haut pour éviter conflit d'intérêts. Pour moi, même les ministres en fonction ne peuvent pas postuler des candidats députés et rester ministre en fonction. Parce qu'ils ont créé des poids, des mesures, même sur le terrain de la campagne. Imaginez vos campagnes à Rabitumba. Imaginez, moi j'étais à Founa, dans la campagne, à côté excellence Moué, il y avait la campagne. Mais lui, parce qu'il est ministre, au moins il y a un privilège, il y a une violabilité, il y a un mais quand même soit exposé. Il faudrait réfléchir prochainement comment pour éviter ma campagne. Mais à l'heure actuelle, madame, on ne peut pas interdire. Parce que la loi n'interdit pas cela. Mais aussi ceux qui votent, ils se sentent lésés. Nous les répétons, nous ne cesserons de les dire. Ceux qui se sentent lésés, saisir, coup consonné, pour rétablir. Très bien, merci beaucoup, mon ambo Kandeko. Marcel, Otto Zongelayo, élection 2023. Page et ça a déjà tourné dans l'ambo opposition Boloba qui bosse à manifestation à Tomoni manifestation Tebino pour bosser député est-ce que Boloba que Nyon soit ici il faut voir vers l'avenir regarder tout droit vers ce que Mbo Cannabis est allé causer la lobby est-ce que bosser quelques leçons na ma pronomé aussi que les Kanangamba opposition comment là que Bimboza qui s'enga mais bosser car à 18% de la part de la population, quelles leçons retenir et même pour la bilingue au ebele basala qui pour nos mythes. Merci madame, je vous dirai tout de suite que la page n'est pas tournée, nous sommes en train de nous organiser pour aboutir à nos réflexions parce que nous avions mis des réflexions en place pour obtenir l'annulation de ces élections. Je vais quand même rencontrer excusez-moi on a causé la bilingue parce que moi mon lingala n'est pas vraiment bon. Je vais essayer un peu de rencontrer mon ami qui venait de dire ici que nous nous étions dit qu'il n'y aurait pas élection. Nous, on n'a pas dit qu'il n'y aurait pas élection. Nous, on a dit plutôt qu'il y a une tricherie massive et toi-même, tu le reconnais. Déjà, Koutou Ozo estimait qu'il y ait des réformes alors dans le sens que le ministre, base la ressource ba candidaté, ba Kambio et Aseni, Bande Konabango, ba postilakate, parce qu'il sous-entend. Déjà qu'il y a des tricheries. Et puis, il faut qu'il s'appelle Makanisi Moussou sur Akolo Bakke, président de la République, paye. Avant de postuler, il faut démissionner. Parce que lui aussi, a son bénéficiaire à l'Oko là. Mais ça existe, maman. Ceux qui sont en Australie, loi on est Zali. Vous voyez. Donc, j'étais en train de dire quoi? Que, au bas qui s'appelle Makanisi Wana, il y a autre Koloba Awa déjà que, au chef de centre, Bazaba candidat, ainsi de suite. C'est-à-dire que lui-même est en train de reconnaître qu'il y avait de la tricherie à grande échelle. Et puis même dans son parti politique, il est en train d'essayer de se défendre aussi, de défendre même son autorité morale. C'est-à-dire qu'il reconnaît intérieurement qu'il y avait tricherie et puis il s'est connu de tout le monde. Vous voyez. Voilà. Il a essayé un peu de titiller notre campagne, mais moi je vous dirais, monsieur. Quand nous étions au Congo central, qu'est-ce que votre police avait foutu? Madame, Bissotoza déjà dans le meeting,
abandi ko sala meeting naye ma population baye massivement mais madame après ce qui 15 20 minutes il faut les voir babal bâtir à balle réelle ba handicapé il fallait voir il y a des images sur les réseaux sociaux comme ça la semblante de konangai osomona babisika nyoso obiso to bandako kende to bandako koma kana likukuma babisika nyoso to bandako kende to bandako sala meeting na biso la matata osomona donc to uti ko sala campagne moko to baloba na lingala campagne moko forcé. Parce que la police, l'administrateur du territoire, va gouverner, va bandage aussi qu'abuse qui mette. Na Kindu, l'air du tout na Kindu. Ensemble pour la République, a perdra qui élengue le colaye. Président de Ligue des Jeunes, bah bomier. Pour la nuit, bah Ekoyamba, président, y a Nabiso candidat Nabiso na aéroport. Nous, on a perdu un président de la Ligue des Jeunes. Il y a parti ensemble na Kindu. On a voulu abuse tout ça la campagne. Surtout qu'il na comme tu as dit que les élections sont à caractère sociologique. Vous êtes sûr, ceux qui bisopena que non, Moïse Katumbi a tiré ma tambe na yena kasa ikuna balenga ba tiré kimia. Ndeko na bango ye moko. Ndeko na bango ye moko Denis Sanga. Babambare libanga awa, poza moto a Luisa, akendeki na kasa oriental. Ozomona, bango oye babongi saki, ezayi kolonga ata Frank Diongo. Bango ba mi pesa ki na force du progrès na bango musala bango ni kolonga la ba efiji na biso ya ba onyo so baza contre candidat na bango numéro 20. Il y a des images Frank Diongo pas. Voilà vous voyez Lelo Frank Diongo aza contre na exil. Lelo aza na exil. A qui mais que France. Ozomona onyo so donc ils ont boutiqué déjà une milice, ils ont boutiqué la tricherie à grande échelle, ils ont tout boutiqué la CENI à leur solde, la Cour constitutionnelle à leur solde. Mais au fond, alors, au fond, pour madame, le Bélé Kambetali, bah, laissons. Au voilà. Fond, est-ce que l'opposition a été prête pour les élections? Nous étions prêts. D'ailleurs, profond dans son message. D'ailleurs, alors que vous avez déjà madame, dispersé. Madame, d'ailleurs, nous avions beaucoup d'avions pour eux. Bakloa qui va venir habiter en Afrique du Sud, on a baboya qui est là, puis ça qui bise autorisation T. Tout le monde a quand même bise. Nous on avait prévu 9 avions, mais tout le monde a quand même bise. Il y en a 4 avions. Pour l'année baboya qui va venir habiter, il y a ceux qui nous n'étions pas préparés pour les élections. Ça c'était un faux fouillant. Mais ça. Madame, s'il vous plaît, parce que ma ministre. Avion est oui, mais message est valide, oui. Tu sais que la télévision c'est le temps, parce oui. Qu'il a parlé, il a touché à mon président. Je dois le recadrer. Vous en prie. Neko, on a carrure à cette Kikunité. Non, il faut être élégant dans le langage. Tu n'as pas la carrure de Seth Kikuni. Seth Kikuni, c'est un candidat président de la République. Seth Kikuni, c'est un responsable. Nous, on a suivi Seth Kikuni, c'est pas parce que toi, tu parles de ses moyens. Si j'avais même la moitié des moyens de Seth Kikuni, je peux battre, soit je pouvais battre Seth Kikuni. Non. Nous, si on a suivi Seth Kikuni, c'est pas en fonction de ses moyens. Seth Kikuni, c'est un porteur d'un projet de société. Et le projet de société qui répond favorablement, n'est-ce pas, à l'attente de la population. Nous avons une solution aux désidérata du peuple congolais. C'est comme ça que Bino, tant que Bino Banda au sein de la campagne, Bobanda au Lobata Bilan la Binoté. Au Koyibi Sambi dans notre projet de société de la Binozani. Même en quelques points saillants, c'est quoi la recette que vous avez préparée au peuple congolais pour la quinquennat oui. Bilan la Binozani. Tu serais incapable de me le dire. Mais nous, si nous avons suivi cette Kikuni, je suis en train de te dire, c'est parce que c'est un porteur d'un projet de société qui touche toutes les couches de la population. Un projet de société qui touche sur les infrastructures de base, sur l'employabilité des jeunes, qui touche sur la production locale. Et nous avons 375 projets répartis en 4 axes. Un axe politique, un axe économique, un axe social, un axe à relations internationales. Dans l'axe politique, il y a un moment où le Bakotanga musée na Lumumba. Nous avons, nous, une solution pour un leadership, instaurer un leadership transformationnel dans ces pays. C'est ce que nous n'avons pas. Nous avons l'idée claire et une vision claire pour organiser la société, pour satisfaire les besoins de base ressentis par le peuple. Nous avons un déficit de leadership dans ces pays. Il y a nani Peter Kazali. Beaucoup de gens ont pensé que non, mboke comme lokola yeloka masano, donc ils peuvent faire du n'importe quoi, oh ya suspendre, oh yo, oh ya keboye, oh ya zongi boye. Donc nous sommes en train de vivre dans un état, on dirait un état sans loi. Nous ne sommes pas dans un état de nature. Au moins. Donc nous sommes porteurs d'un projet de société, oh yo toko pesa ba solution et zata na axe social, ah wa social la vie sociale ndenge ni na Congo. Tala ndenge ba donc Moutako la mouka, a mati prix ya biloko na ndenge naye. Moutako la mouka, a mati taux de change na ndenge naye. Donc c'est-à-dire que l'État est dans une déliquescence totale.
C'est comme ça que Bissot lobby. L'air Bissot Roya a pouvoir. Attends, ceux qui n'ont pas triché l'élection à Bissot Oyo. On n'a pas changé la page. On va continuer la lutte. On va continuer la résistance pour obtenir des gains de cause. Mais Bissot, l'air que cette Kikuni Oya Zolinga a stigmatisé. Quand on va porter cette Kikuni à la tête de ces pays, Bissot Roya n'a pas de solution. Est-ce que vous vous préparez suffisamment? Puisqu'en 2018, Azaraki candidat, ensuite, Pluria, il revient en 2023. On a accepté de se rallier. Avec n'était pas préparé. Aujourd'hui, on a accepté de se rallier. On a accepté de se rallier derrière Moïse Katumbi. Mais demain, probablement, on ira tout seul parce que nous sommes porteurs d'un projet de société qui va rencontrer les besoins sociaux de la population. Je suis en train de dire, Bissot Roya n'a Bokonzi. Nous avons des projets déjà, nous avons une vision claire. Au moment, Yomoromona Gata, chef de l'État, na Top Congo, baya yawa na ba journaliste ba sakani na mabe. Il fallait voir ba zoe bisaeke, ngeni no lobaki oko diminuer train de vie ya baï politique pour na besoin ya population. Par exemple, après cet exemple, par exemple, beaucoup ba sa salaire ba enseignant, yoka réponse. Yo kanisi pela soki tokiti simbongo wana ndeko na ba enseignant. Journaliste na ABC bo ata soki ko futa ba enseignant te mais ekoki quand même kotonga ba banzela. Ça pourrait quand même construire des routes. Yo ka réponse le chef de l'État. Yo na moni yo komi na makanisi ya opposition pété. Et pourtant le gars était en train de le recadrer. Mutu mo bimazolo ba ke ya ba salaire na été. Et comment vous vivez? Je suis chef de l'État. Est-ce que on a des réponses pela chef de l'État? Mais vous parlez de la lutte, comment vous allez lutter, avec qui? Et pour obtenir quoi? Nous sommes d'abord un parti politique à part entière, madame, parce que là, au Komiko Pesa Makanisia Oyekoya, nous sommes un parti politique à part entière, et puis mission parti politique, Eza, pour conquérir le pouvoir de manière démocratique, n'a qu'à exercer, n'a qu'à conserver en mot. Au moment, nous sommes préparés, n'a pas élection au Moussous Oyekoya, ceux qui ont trouvé gain de cause, soit te na oyo biso tozo senga ba annuler ba élection parce que c'était une tricherie à grande échelle ezaki pena ezanga ma ponamité. Nous on appelle ça une pâle copie d'élection. Il y a pas eu élection. Lorsqu'on va organiser de bonnes élections, je sais pas si dans une année ou dans un bref délai, nous allons porter notre candidat, cette qui connaît lui dénigre, parce que nous avons un projet de société, une nouvelle recette à donner au peuple congolais. Soit pour obtenir gain de cause et revendication de la binauté d'ici 5 ans, ni le salaire. Ah, nandimité. Nandimité parce que Félix Tshisekedi a constaté. Au matin dernier, il faut que l'on active l'article 64. Nandimité, parce que tout le monde a été mis en place. Tout le monde a été mis en place. Au moment où il était que. À la fin des élections, la police a houspillé la population au niveau de Tchango. Nous avons dit que 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 très bien, merci beaucoup, Mwalamboka. Deuxième partie, peut aussi, ça et monsieur, entendre la lélo, qui retenir le combat et Laurent Désiré Kabila Ndeko et Mary Patrice Lumumba, alors que dans l'Est, dans la partie Est, ça chauffe. Nous apprenons que le FRDC, lança qui est vraiment offensif, il y a Makasi, Kolela Langambo, Bangunda, mais il y a un autre fait, Wapibisika, Moko, Yaba soldat, Tomoko, Yaba militaire, Nabiso, Oba Kotaki, na Koyebakate, na territoire, Rwanda, Moko, Zalaki, abattu, Pe Monsous, Mibale Monsous, capturé, Tomola, qui réaction, il y a Kinshasa, Pe réaction, il y a Rwanda, mais Ndeko Hervé, deuxième mandat, Obozui, Langambo, Union Sacrée, comment bénéficier, ni n'y bénéficier dans le combat et Laurent Désiré Kabila et Lumumba na maye ou ezali kosale malelo tomoni Amérique Senga bongo que tout cela entre Bisson na Rwanda alors que le chef de l'État avait dit que na dissassimo ou quoi en Mboka Congo a redéclaré guerre. Comment est-ce que deuxième mandat ou essayé de situation sécuritaire et ezonga bongo topé est et démocratique Congo est à la pacifier? Merci beaucoup, madame Yambona. Côté de mon tour, c'est quoi votre bilan? Qu'est-ce que vous avez fait? Ni ne voyez que vous présentez la population. Cette question, la population a déjà répondu. Sur ça. La population a donné 73% des suffrages au chef de l'État. Écoutez, monsieur, écoutez. La population a déjà répondu. Sauf que toi qui n'as bilan, tes populations en Europe, ça fait que c'est 73%. Nous ne pouvons plus revenir ici que ça. C'est un débat dépassé. Il dit, tout ça c'est un annulé. Vous demandez à qui d'annuler? Tout ça c'est un annulé. Qui a le pouvoir dans les élections? Théodore Ongoy a saisi la Cour constitutionnelle. Ils sont incapables. Ça ne peut pas m'y baliter.
Il fallait saisir la cour parce que vous avez les preuves. Bon, le but que non, au soir, il y a le 20 décembre, vous savez qui va vaincre la belle élection. Allez saisir la cour. La cour que vous traitez aujourd'hui, est en violation, mais bien que c'est la même cour, au beau plébiscite, qui attend un indima qui candidature à Moïse Katumbi. Parce que lui-même, Moïse Katumbi n'était pas sûr que sa candidature allait être recevable. À ça, la fête pour un indima candidature, n'est pas libre, son amour, candidat pour ça, la fête pour candidature, n'est pas validé. Parce qu'il n'était pas sûr de ça. C'est la même cour. Il dit la CENI. Que non, CENI, composition, vous avez qui est en violation, opposition, ça va m'emboîter. Quand il parle de vous, vous faites l'histoire avec l'opposition. Parce que Martin Fayulu a son délégué là-bas, M. Moniz, Blaise Moniz. Ouais. Le FCC a son délégué, M. Manara. Vous ne pouvez pas parler de l'opposition parce que vous ne faisiez pas parler de cette opposition-là. Moïse Katumbi, et c'est ça, Moïse Katumbi qui est votre patron que vous soutenez, il était membre de la majorité quand la majorité avait désigné ses membres à la CENI. Il faut qu'il vous dise cela. Il était membre de la majorité par principe de l'unicité des actions. C'est-à-dire, il se reconnaît dans quatre membres et assigné aux majorités pour le compte de l'Union sacrée. Il doit vous le dire, c'est là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous réclamer, bah, membre et à composition et à bureau à CENI, parce que vous ne faisiez pas partie de l'opposition à cette époque-là. L'opposition qui composait dans la Mouka, dans la FCC. Moïse Katumbi était avec nous dans l'Union sacrée. Là, je crois que c'est clair, il faudrait plus revenir sur ça. Alors, bien que Bazana va projet, ils vont porter un projet à cette Kikuni, patati patata. C'est quoi le projet pour balancer Moïse Katumbi pour soutenir Moïse Katumbi? Parce que, au début de ton intervention, lobby, tu as une vision qu'on a failli, il y a un autre boyer qui a été candidat dans l'élection législative. Mais pourquoi pour soutenir Fayulu, il y a un autre boyer Moïse Katumbi? Parce que Fayulu a pensé qu'il mouquait. Moïse a pensé qu'il est belé. Il faut être clair. Cette Tsikouni fait la politique du ventre. Il ne fait pas la politique pour l'intérêt de la population. Si tel était le cas, il allait soutenir Martin Fayulu parce que Bazaki a la vision d'Enge Moko. Là, je crois, débat n'a pas été. Parce que déjà, tant Rosa Maloba, le Banabis, sur quatre axes, on a un programme à Moïse Katumbi, il y a un autre boyer. Et pas dans le Kiwap. Et place ni Batikale comme ça là, Batikale qui défend des programmes de Bango et Moïse Katumbi. Lui-même incapable de dire ça, ma collaborateur ne comprend même pas. C'est quoi les programmes de Moïse Katumbi? Il y a des VAR, vidéo. Donc il transforme le football dans la politique. C'est pourquoi moi j'avais dit, élection FECOFA dans le salamité, c'est encore grand temps. Il est très bien placé pour diriger la FECOFA pour remettre football dans le Narai comme il a vraiment l'expérience de ce côté-là. Madame Komba Yalumumba, na désiré Kabila héritage monnaie n'est pas dans le cannabiso. On le dit pour maintenant la biso ni toko retenir toujours consolider les acquis. Le chef d'État c'est un grand nationaliste. Au-delà d'être tshisekediste, on a défendu la idéologie état de droit, démocratie, les peuples d'abord, c'est un grand nationaliste parce que tout congolais est d'abord le lumumbiste. Tout patriote congolais est d'abord lumumbiste. Parce que dans ma carte, ça m'a créé un peu le sang de Lumumba, le sang du nationalisme. Et le chef d'État l'a prouvé. Nous ne pouvons jamais hypothéquer ma belle à Mboka Nabiso et Paya Bapaya. C'est pourquoi voir même la population a sanctionné les candidats des étrangers. Parce que même la population congolaise a le sang de Lumumba. Lumumba, c'est un héritage au biso, surtout pour Nabiso Bilenge. Madame, je crois, au-delà d'être cadre na AFDG, je suis le coordonnateur de la 4e génération de changement qui est Nasbel, le mieux implanté dans Bumbuna Selembo. Mon Nasbel est mieux implanté puisque les parties de cette Kikuni, je lui mets au défi. J'ai plus de 800 membres avec des cartes. Et donc, biso, la 4e génération de changement et la première génération. To s'inspirer qui la première génération na combat ya Lumumba, il y a indépendance et la souveraineté en Mboka Nabiso. Et ce combat biso bilenge to ko pérenniser yango. Et puis moi na Mboka fait ce que da pérenniser yango. Aloba ki yango to te ka Mboka pa ba payate, Mboka ze ya ba congolais. Et puis no marambo ya Rwanda, nous ne négocierons jamais avec les M23. To ko négocier souveraineté en Mboka Nabiso. Les Congo n'a pas de prix à négocier. Nous allons nous battre pour défendre notre pays. Si ceux qui battent pas beaucoup, faut beaucoup faire pour n'ango. Parce que mon conjoint Mboka Loba qui ango. Il est prêt à donner sa vie pour que la paix revienne dans ce pays. Donc tu ko bunda tina suka. Et puis c'était un avertissement au lancer qui bango. Ceux qui va meki, tu ko déclarer guerre na Rwanda. Parce que madame, les Rwanda, Kinshasa pamba sur la côte na Rwanda, tu ko kangaba na Kagame tu ko na kangaba bon le roi banyama. Mais l'air de cette osara tellement largement le fait tu sais que dans le bar toujours. Fait tu sais que dans le bar yango, azaka yumate. Atika amutwa sala. A poussa. Poussa na place zo poussa na. Mais réplique n'est-ce pas ma kasi trop. FCC n'a tant qu'à Kabila à mon agré le roi Zoba. Ma ramka Rwanda au sala yangwana. Ba mon enze qui zing. Azwa décision boy babab ni la sa be moutan a betara ba mon 5 gifles. Aujourd'hui on ne parlait plus du FCC. Et on ne parlera plus du Rwanda.
prenez la date d'aujourd'hui, c'est maintenant ici, on ne parlera plus du Rwanda. Si Kagame continue avec Babilo Kone Salahana, en complicité avec Bana, Bana Libé Biambo Kanabiso, on va que ça l'alliance qui a nini. Au moins, il y a un peu que ça l'alliance fleuve Congo et Tomboki. Parce que le fleuve Congo, ça n'a pas de Rwanda. Le fleuve Congo, ça patrimoine national ya Congo et ça n'a pas de protection. Les Congolais sont alliés à l'ennemi en Boko Kanabiso. Ils sont des ennemis où il faut tout bannir dans la République en Boko Kanabiso. C'est ici que nous avons réitéré par appel à la ministre intérieure. Bah, retirer agrément à partir de Corneille dans le ministère intérieur. Parce que vous ne pouvez pas avoir un parti politique en même temps prendre les armes contre votre propre pays. Même Lumumba que nous défendons a combattu dans ce pays, n'a jamais pris les armes. Lumumba n'a pas de patriotisme. Parce que plus vous prenez des armes, vous pensez que vous faites mal à Félix Tshisekedi. Non! Aza Kito, quand vous avez une cité de l'Union africaine, Zoli, Aza bien. Vous faites du mal à vos propres frères. Vous faites du mal à votre propre armée, à votre propre pays. Et ça, nous n'accepterons jamais. Patriotes que nous sommes, avec le combat de Lumumba Tshisekedi, on ne peut jamais soutenir de tels actes. Il y a un autre chose, c'est que nous avons besoin de même Konzamboka, parce qu'il est le premier Lumumbiste. J'ai dit ici, au-delà d'être Tshisekediste, tout Congolais est d'abord Lumumbiste. Parce que quand nous Makila, il y a Lumumba et Zoli. Très bien, merci beaucoup. Nous attendons beaucoup plus. Discours et à chef de l'État, à prestation de serment, Toroeba, Niniko Salema, dans les 5 ans à venir, ma pesa kibuso, 6 axes, il y a bon programme de société, na etope, bah, engagement, ouais, soit qui pour na zone, il s'emboka dans le rail, pour na bambou, la ouais, tikali, de komoro atouni, tounan de kwaset kikuni, esko, cause la politicien congolais lobby ko boya nyonso topé ko boya kondima échec na bino bondima ki bo échoué bo pesa tata mukambi maboko. Merci beaucoup ndeko set ki kuni azali na poids politique nini ayebani na quartier nini ayebani na commune nini bon asa na parti politique mo na mboka ndeko bavion bozaki nango est-ce que message na bino ezala ki profond. Merci beaucoup mo na mboka ndeko réunion sacrée nyonso après chez Panzani ma nomination et Salemi Matondo mingi mwana mboka ndeko Marcelo Kadima to komi kokende na suka emission na biso ke retenir du combat de Mose et Laurent Desire Kabila et de Emery Patrice Lumumba des héros nationaux ya mboka na biso lelo soki il faut koloba na contexte o tozali agressé nini penza lokola héritage lokola bilenge lokola bayi kongomani ko retenir na de euro wana pe na bilombe oba kufela po na intérêt ya République démocratique du Congo. Avant na rencontré ye na ko répondre juste en deux mots. Déjà l'enseignement que nous devons retenir sur la lutte de Laurent Désiré Kabila et aussi Lumumba, c'est entre autres de ne jamais trahir le Congo. Ça c'est le 1. Des deux, c'est la fameuse phrase « Prenez-vous en charge ». Prenez-vous en charge. Alors, il y a des escarmouches. 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 Il y a des réunir le Congrès. Et ainsi de suite. Promesse sur promesse. Madame. Lumumba na musée. Bango balaki sakai sou ba promesse te. Balaki sakai sou ba action. C'est comme ça que ils ont donné de leur vie, ils ont sacrifié leur vie pour ces pays. Et ça ba promesse te. Ozomona. Aouté koloba awa, yondo mtu outro loba, ceux qui s'y accèdent, à quoi y'a qu'on explique, projet des sociétés. Mais madame, tout ce qu'on a, y'a promis ta kibi son en 2018. Quels sont les indicateurs objectivement vérifiables qu'on peut évaluer qu'il a réussi son mandat? Bien que c'est déjà passé. Au moins déjà que awa article qui bisson a beaucoup il y a 50 promesses awa na mandat oh tu as 600 promesses. Donc il faut rien attendre avec monsieur Félix Tshisekedi. Je vais répondre mon ami parce qu'il a dit que pourquoi cette Kikuni article qui Martin Fayulu pour bazaki la vision moko ainsi de suite. En entame en prélude à l'élection nek to banda koloba fichier électoral ezaki mabe ba tricherie eza préparé à grande échelle to kenaka ponamité, c'est comme ça qu'on n'avait pas aligné les candidats et après on s'est constitué, on s'est dire que non, voilà, il faut qu'il y ait une élection. Makambo, il y a Afrique du Sud. Il y a une matrice stratégique bien définie pour que Tobi Misa, candidat, ça, je crois qu'on n'était pas représenté. Ça, c'est faux. On avait délégué. On avait délégué quelqu'un. C'était qui? On avait délégué quelqu'un. Monsieur Ramazan. Ramazan? Monsieur Ramazan.
Toi, tu ne le connais pas. Il y a déjà le bien qui est parti politique et ça, surtout tu connais le Ramazan et autres, on a parti. Où est bien? Où est bien? Je cherche la résolution. Aux hommes, on a voilà. Nous avions une matrice stratégique bien définie qui pouvait nous amener, n'est-ce pas, à adopter, soit à coopter un candidat commun pour représenter l'opposition. Mais, et là, on connaît que ça, les mezzanini. Monsieur Martin Fayulu est à l'obaki, soit lui, soit personne. Si vous êtes qui connaît Moto Azaya Moto et la démocratie, à quoi vous avez colonie sur le gouvernement de Awa Boye, donc Moto Moko discours dans l'Isanga, soit lui, soit rien, soit personne, ou on est au salé maté. Bah, ouais, bah, tika la qui, bah, continuez qui misala, y'a qu'au copté, soit qu'au adopté, et candidature y'a Moto Moko, y'a un monde de biso total, sur base y'a un cage, y'a un parti politique, sur base y'a. Bah, définition, autre définition qui est la matrice stratégique, tout le monde qui m'a dit représenté valablement, c'était Moïse Katoum. C'est-à-dire que, Eza Maramboyambo Ngote, d'ailleurs, je vais t'informer ceci. Cette Kikoun avait donné sa caution. Mais Moïse Katoumbi, après qu'il soit porté comme notre candidat commun, unique, avant que le Baobo, comme ça, Baobo PC va caution dans une somme, cette Kikoun a boyaki. Et pour te dire, au moins la campagne, Wana. C'est la zone célèbre. C'est la zone célèbre. Bon, ils ont des propositions qui sont attaquées. Pour la campagne, il y a Moïse Katoum. Nous, on a imprimé des drapelés au Banda Komona, ils allaient ensemble, ils allaient à Bissot, nous au Banda Komona. Donc, c'est-à-dire que nous, on n'était pas là comme des enfants gâtés pour la Rolanda, Sima, il y a Moïse Katoum. Nous, on est porteurs d'un projet de société, on a été candidat, on a payé la caution et on a participé à la campagne de notre candidat. Donc, il y a des fois où on a besoin de Sima Kuna, au Pessina pour sa retourne à Moutouna, Moussou, Mdeko. Ma tête a pondu à mes maquis, Moïse Katoum, na Kindu, Kuna, na Manima. Kuna place à Boumaki, président Ligue des Jeunes, na Bissou. C'est ça, c'est ça qui prévient à mes maïs, na Louisa, malgré à Koma qui t'aime, de vous êtes goût, ma maïs qui est wapi. Monsieur Seth Kikouni approche na Bissou, toi adopta qui. Mais Kuna n'a pas na Bissou, Kuna ya na ba est, Kuna na ba fin fond, Kuna. Moïse Katoum, y'a n'entré là au Koma, Kuna. Oui, les affaires fait il y a cette qui coule. Ah bon, vous avez bien sûr que oui. Oui, les affaires fait biso toza na parti na biso. Il y a Zoseka. Il y a Zoseka parce que pour eux bah moi on a bien rendu ça spectacle. Vous voyez, quand nous venons sur un plateau de télévision, on ne veut pas faire des spectacles comiques. De y a changer ba idée. C'est-à-dire babisika oh nous ça va faire fond mususu otokoma kuna au moins ils ala Lubumbashi, ils ala Kalemi, ils ala ba faire fond. Le parti de cette qui coule piste pour les médias s'est implanté. Yo banda au moins ba drapeter. Banda au moins ba drapoter. Et puis aux autres c'est vertu à Kolobao, association ceux qui n'ont ni à Bilengi à Mwinda et les ala Kola ceux qui peinent papa. Oh écoute ta ba scout. Ba les qui on a ébélé. Je sais même pas si tu es connu même dans ton avenue. Tu vas commencer pas très poitrine pendant que aux autres le côté. Osomona, cette qui court, c'est pas quelqu'un avec qui toi tu peux te comparer avec. Restons, c'est grand monsieur. Voilà. Makamboya Muse, na Makamboya Lumumba, yango tozulu bela awa. Bango bazo kukisa ngote. Muse et Bisibiso, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Et ça, concept moko très profond. Parce que, ils ont touché Baspegno sur le développement. Prenez-vous en charge, ils ont la sécurité, ils ont le prenez-vous en charge, c'est-à-dire qu'il faudrait que na Congo, tous soient capables de faire autosuffisance alimentaire. Il y a un monde qui a un service national, au monde qui a un daipen, au monde qui a une cantine populaire, et ainsi de suite. Prenez-vous en charge dans cette lancée-là. C'est comme ça que Bissot, na makanisa Bissot ya sika, to lobi, lorsque Bissot to kozwa Imperium. Donc, il y a vraiment la philosophie, la prenez-vous en charge, parce que dans l'axe économique, nous allons vraiment faire de la Banque centrale une institution autonome. Parce que les banques centrales, ils ont des ils ont des téléphones, va poser quelques questions à un chef de l'État, s'il vous plaît. Va poser qui chef de l'État. Je vais te démontrer. Madame, je vais te démontrer les conséquences économiques. Va poser quelques questions à Top Congo.
Et pas à Thierry, ceux qui... Thierry... Kamboun. Non, non, le... Voilà, Thierry Kamboun. Alors, il y a un taux d'échange au matin. Mais je dois souffrir. Un chef de l'État qui dit aussi que n'a pas eu ça, n'a pas si. Donc, vous, vous êtes là, à la tête du pays, pour n'a Zoka Makambo, ils ont ça la passe à Bakongo, ils peuvent se réitérer, ils ont ça la passe au lieu de donner la solution. Tout simplement parce que l'aspect économique n'est pas bien géré. Madame, aux hommes de Makambo économie, pour qu'on soit économie à Mboka, il y a un tableau qu'il faut peindre. C'est-à-dire que, un, il faut avoir une vision claire. L'État doit jouer son rôle, c'est-à-dire le rôle d'abord incitatif. Incitatif, il a qui signe. C'est-à-dire qu'il faut défaire un citoyen congolais de devenir agent économique. C'est-à-dire qu'il faut à créer un emploi, il faut à foutre un impôt pour qu'on renfloue que ça l'État. Deuxième rôle de l'État, c'est le rôle productif. C'est-à-dire que l'État, il faut être producteur à part entière. Mais les lots, na moka ya Félix c'est qu'il faut assister à un État gendarme. Tous un État providentiel. Et pourtant, biso la vision na biso. Que de faire de l'État, non seulement l'État gendarme, mais aussi l'État providentiel. C'est-à-dire que nous ferons de l'État, n'est-ce pas, un producteur à part entière des biens et services de consommation. Très bien. Pour rencontrer. Au moins, c'est ce qui vous donne les amis. Voilà. Le troisième rôle, c'est le rôle redistributif. Le rôle redistributif, c'est l'axinine. Au moins, que ce soit tout le monde qui Ndenge nini député aux 21 000 $, mais soda oyo la kaki 400 $, tisiko oyo aux 400 $. C'est-à-dire que c'est cette façon-là, n'est-ce pas, de redistribuer les richesses du pays de manière équitable. Au moment la professeur Azozoa tant sous par exemple 3 millions de francs congolais assistant Azozoa 200 000, 400 000. Au moment là, papa, où les abat notion économie. Siko yo oza mokonzi amboka. Vous n'avez pas une définition de ce que vous appelez, de ce que nous chez nous, nous appelons la politique monétaire. Est-ce que Rokiko Pesanga, les points saillants, notion de la politique macroéconomique, pour la croissance pénale économie en Mboka? Tu n'as aucune idée. Nous, nous allons implémenter une très bonne politique macroéconomique, ajouter à cela avec tous ces instruments, et implémenter une bonne politique structurelle. Parce que, et l'autre chose, bon, ma vie sur les années. Tout ça, la politique structurelle. Parce que là, quand on a eu l'opposition, on a eu l'opposition, on a eu l'opposition, on a eu l'opposition, réaction est Rosalie. Biso déjà, il y a eu l'opposition confiance. La population a pensé qu'il y a confiance. 75% des gens ont triché. Ça, l'affiché électoral à Sika, tout, il y a identifié par électeur, par machine à voter, ça n'est pas 1,3 milliard. Il y a un peu de temps, il va détourner de Bangou Yango. Ba machine au Basalek, ba machine à Kala, il y a un peu de temps. Il va Moïse Katumbi a gagné l'élection, maman. Il a gagné. A gagné jusqu'à 23h, jusqu'à 21h. Moïse Katumbi avait battu à plate couture Ndeko Félix Tshisekedi. Pour la Nini Kassi, madame. Na Congo Mobimba. Parce que Moïse Katumbi a un électorat calcaire. Contrairement à ce qu'il a dit que Moïse Katumbi a un électorat oasis. Moïse Katumbi a un électorat calcaire, c'est-à-dire qu'il a un ancrage dans toute l'étendue du territoire national. Merci il avait beaucoup. Battu à plate couture Ndeko Félix Tshisekedi Yango, ami Ayibi na 73%. Merci beaucoup. Ndeko qui s'est maintenant chité, émission ici, votre mot de la fin et un mot pour Bandeko, il y a AFDCA, puis Bandeko Bazu, mandat pour le Kende, bon, on a cour fonctionnel, tout le monde qui est Chris Moukin, Kolobakalini, Kende, non contre l'AFDC, mais à Kende contre la CENI, et PCIE, bah, voix, et Sengela qui était, bah, publié Moto Azara qui n'a sous canaliste, n'y so, et coïncidé qu'Azan de Ko, il y a autorité morale, on ne dit pas que le professeur Baet, c'est à PCIE qui n'est connaillé, mais, et PCIE, ma, ben, ma casse un mot à la population congolaise et aux membres de l'AFDCA, Malobombo Kario. Madame, déjà, je le répète, le professeur Baet, du coup, on n'a pas les pouvoirs. Il y a coupé ça mon tout siège na CENI. Je ne vais pas te personnaliser débat. Il y a un candidat lésé à FDC na personne. Il y a Koulou Tounabiso Chris Mukendi. Nous avions aligné 480 candidats, tout BBC 35. Donc imagine-toi, on a plus de 415 candidats ou 450 candidats au bazar lésé, au bazar na droit à saisir, coup consonné pour bazar rétabli na droit na bango. Quand on va être que
to parti est beau, il faut que ça ne soit procuration, ça c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux parce que la loi et le Bible, les candidats ne peuvent pas saisir la Cour constitutionnelle. C'est les partis, les Rikouma qui saisissent. Et les partis ont mis en place une commission où ils ont traité ma kawana. Ma bengi bango, il y a un élément de preuve na bango. Et les partis vont traiter à saisir Cour constitutionnelle. Yo moko le Bible, un peu dans la neige, il y a un peu dans la neige. Azo qui contre la France, mais contre la CENI. Alors, ni ne sait que va empêcher qu'on puisse procuration. D'autant plus qu'il est contre Bissoté. Donc, c'est-à-dire que Aya, commission, est mise en place pour être traité par Kawana, de l'épaisseur au Poussana. Moutakangi porte, na niveau, na azalité, modeste, bah, du coup, d'ailleurs, a fait un message, un communiqué, ça s'est dans tous les groupes de l'AFDC. Oh, Yemoura Bengi, ba candidat, tout. Il a même mis les numéros de l'avocat qui s'occupe de cette question. Ba Benga, il va déposer, ba requête, na bongo, n'a pas mémango, na niveau, yakou consonant. Donc, na AFDC, Kimia, Ezalipe, Kimia, et Koko, ba Rosala. Peuple congolais, kaka nenge, ba pesi moukonzambo, ka confiance. 73% des élections, et ça, chose yamou, qui est indéko, c'est ce qui coûte, il faut. Aïe Bayango, samedi, tu as un stade de martyrs pour la prestation serment à Mokonzamboka, Toyawana, Ebele, Makasi, Akolika. Mais dès qu'on a un jeune, n'a souk, c'est la wana mbao. Mais jeune, sur le côté politique, n'a le kouta, c'est-à-dire au bébé, déjà à venir. Madame Aouti Koloba, qui est représentée dans Pretoria, ici c'est jeune Afrique. Alors, les délégués de 5 candidats de l'opposition se sont réunis à Pretoria. C'est ce qu'on était où? Il n'était même pas compté parmi les candidats présidents de la République. Parce que c'est un ministre, il faut qu'on le dise. Tu as dit, ma personne pour m'embourger, tu as dit, vérité. Il y a une vérité pour sa mandat. Cette groupe, c'est un leader communal. À la cause de ce que je veux dire, que si je suis en train de faire un foyer à l'Est, Moïse a commenté, mais cette groupe a été implanté. Déjà, ici, il y a Gombe, il y a un bureau. À Lukoum, ils n'ont pas un bureau. À Founé, ils n'ont pas un bureau. Les noms de l'élève secrétaire général Aïe Yangote. L'élève président de la Ligue des jeunes Aïe Yangote. Président fédéral Nord Founas Arabes. Comme on est là. Il faut être logique. Bon, on dit ma vérité pour vous amender. Vous êtes d'abord, déjà, Nani, c'est un leader communal. Moïse Katumbi, c'était prévisible à perdre l'élection parce qu'il s'était fait entourer de leaders régionaux. J'ai dit, Matata Pono, leader régional. Lui-même, Moïse Katumbi, leader régional. Denis Sanga, leader régional. Jean-Claude Vouemba, leader territorial. Il n'est que leader à Kassangoul. Au Congo central, Jean-Claude Vouemba, chez moi, il n'est pas leader. Il est leader à Kassangoul. Et vous pensez que Batabon pouvait donner combien de voix à Moïse Katumbi? Déjà, c'est 3 millions de voix. C'est Batumsouba. Bon, il va tout voter Téwana. Laurent Bazaki n'a pas observé. Il a un cadre d'opposition élargi. Il a un Senko. Et vous avez voté numéro 3. Parce qu'en lui, il ne peut pas faire 3 millions de voix. Qui allait les voter? Alors, il dit que Bangé va gagner au soir du 20 décembre, parce qu'il a une large victoire face à Vitsudeki. Il y a combien de provinces? Il y a 15 provinces. Il faut reconnaître que Azalaki, challenger principal, Madame, il s'est fait challenger principal lui-même. Moïse Katumbi ne peut pas être challenger principal, il y a Félix Tshisekedi. C'est parce que Martin Fall, Koulout, il a besoin d'un R. Moro, Asala Ramakamoussou, Nathan Mounsou. Le changement principal, c'était Martin Fayou. Il a 5 millions de voix en 2018. Et il ne pouvait pas tomber à 900 000 ou 1 million de voix. C'est parce qu'il y a Mourazaï qui est constaté à Pessa qui passe à Nord et pas à Moïse Katumbi. Quelqu'un qui est venu, qui était chez nous, à Lien Abisso, abîmé à 6 mois des élections, il peut être notre challenger. Ça, c'est craché sur la mémoire. Martin Sobabunda. Il ne faisait pas les poids vis-à-vis de Fétiseki. Il y a un mot là qui c'était. Et car il y a 10 millions de voix, madame, 10 millions de voix au monde en moins. Cette Kikoun a commis sur 2000 voix, Pamba. Même Chris Moukine, cette Kikoun a un nombre de voix. Merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. Votre mot de la fin, message à la population, que retenir de votre passage au Pona Congo, ni opposition, ils allaient pour Bongisa, alors que prestation des serments, comme ça, il m'a déjà lobby le samedi 20 de janvier. Et la page élection 2023 est tournée. Nous voyons vers l'avenir et le développement du Congo. Quel message donner à la population? Merci beaucoup, madame, pour votre invitation. Le message que je peux lancer à la population, c'est que Makambo Oyo ya investiture, binomoko boyebi que Mutu Oyo, bazo kendeko tiaye kuna bopona ki ete. Eza Mutu Oyo, bayiba ki ba vwana bino bopese ki ndeko Moïse Katumbi comme président de la République, ba pesiye. C'était un résultat. Madame, eza ba résultat préfabriqué, ba préfabriqué au kala. Imagine Mutu Nyo, se ba pesiye ba voix. Et pourtant, nous, on avait
renoncer à notre candidature, tu portes un candidat moko. Tellement que si totalité à Nyos, et puis ça 116%. Au moment déjà, tant maïe, les coûts à répartir, voilà le pourcentage, voilà, ce total tableau, wana. Au calculé Nyoso, depuis 73% na bango Moïse Biwana ti na oya suka et puis ça 116%. Par quelle magie, par quelle magie madame? Donc bango moko bazoy baté combien de voix, combien de suffrages ezali ki exprimé ba yebi yango te, combien de machines oyo ezali ki servi pour na ba élection ba yebi yango te, combien de bulletins oyo e serva ki pour na ba élection ba yebi yango te, combien de bureaux de vote oyo e serva ki pour na ba élection ba yebi yango te. Au moment ma machine s'est retrouvée et dans l'état majeur ma parti politique dans bandako ya batou et pour la bango comme milinga milinga moi suis moi. Donc message na kopesa na peuple congolais c'est que beau considérer ba élection OET biso ba oyo to portaki Moïse Katumbi comme candidat na biso na bino ba obo ponaki ye to continuer la bitumba dans le cadre de l'article 64 bango ba comme kosa biso makamboke toujours que les rébellions biso to simba manduki te. Batika Moïse Katumbi kimia a se déplacé. Maman, bakomo ko pekisa na Moïse Katumbi a kendekota la balle na Kalemi. C'est en violation des dispositions pertinentes de la Constitution de l'article 30. Article 30 elobi na biso boyeke, mutu nyoso azana droit. Ya ko circuler na ba territoire nyoso ya mboka ndenge ya lingi, na ko tia résidence na ndenge ya lingi. Ata ko voyager à l'extérieur, ndeko papi pungwa uti ko kangaya banda ko traverser kende Zambie ko na congé na moi sina na bana bakangiye. C'est en violation même à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où le bique, Moutounio so azana droit ya kotambo la mokili mobimba, na kozonga na mboka na ye. Donc, besoin moi déjà que peuple congolais, oyo, eza dictature, oyo, tout le monde a tangote pérenne na période à Mobutu. Donc, bon landa bangote, article 64, to remettre en balle d'ici là, et puis nous allons manifester de manière démocratique dans le cadre de l'article 26 de la Constitution au Ezopé Savisson Nikisa, il y a manifesté. Mais bah, comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? On a dit que, à tout moment, bah, on va faire. Parce que liberté d'expression, liberté d'expression, exacte, maman, exacte, on va faire un boloko. Merci. On a makani. Oh, ce que tu as dit dans la Constitution, à partir de l'article 22 jusqu'à l'article 25, jusqu'à l'article 26, exacte, droit à il y a qu'on se réunit, tant que on a dit, il y a journaliste. Bah opposant bah que les quatre n'a c'est pas parce que la réunion et tout il oublie que la réunion de l'opposition ils a consacré la constitution et puis constitution ni opposition ils a consacré la constitution dans son article 8 tous en a droit il y a comme ça la réunion mais nous avons déjà dans le coup parce que les quatre c'est pas c'est ça la carte mais ce peut tous la quitter mais tout ça une déclaration les 6 c'est la fin de l'émission, fin de règne d'insubordination et d'arrogance de Jean Tiningobila, désormais l'ex-gouverneur de Kinshasa. L'ordre a été donné à la police de ne pas lui laisser accéder à l'hôtel de ville de Kinshasa. Mon quoi, ma message, quoi, na tongo. Les autres, ils ont été en ACP, mais Sengi Bolimbi, si vous en avez prochainement. On se retrouve demain. N'a pas invité mon soussou, mais tous allez causer là, événement historique. Historique Ezali Bongo, deuxième prestation de serment. Il y a Tata Mokamieko, le Félix Antoine Tshisekedi Salema, le 20 janvier, na stade de martyrs. Tolinga Congo, Tobate la Congo, Totonga Ekolo, Nabiso, Mingi, Mingi, intégrité territoriale. On se retrouve demain. Au revoir.